avec nos confrères de Golden Lion TV. Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion. Et pas sommet, il marque son deuxième but. Le Golden Lion, champion de Martinique 2021. Pour une troisième étoile sur le maillot. We have Golden Lion from Martinique, a new club in this competition. The club from Martinique will be playing in. C2 here for Golden Lions. Deportivo Nacional from Aruba. Inter Moengo Tapoe from Suriname. Okay. Inter Moengo Tapoe joining Deportivo Nacional, Golden Lion. In Group C, Deportivo Nacional, Golden Lion and Inter Moengo Tapoe. Le Golden Lion peut prétendre à la qualification demi-finale du tournoi des clubs champions amateurs de la CONCACAF dès ce soir. Un match nul est suffisant face aux Surinamiens. Les hommes de l'entraîneur Christophe Malo veulent faire aussi bien que le club franciscain qui avait remporté le trophée en 2019. Les joueurs ont été très sérieux, appliqués, disciplinés. Et bien sûr satisfaits de cela, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. On a un gros match à 20h contre le Suriname, donc il faut absolument gagner de façon à être premier pour se qualifier pour bien sûr la demi-finale. Je suis très heureux parce qu'on est venu avec notre kiné Yanis Thomasin qui fait un gros boulot parce que c'est très important de ce côté médical pour récupérer. Et bien sûr, je suis satisfait de l'ensemble du staff qui m'accompagne. Telles furent les paroles de Christian Malo ce matin sur RCI. Mais ne vous y trompez pas, Christian Malo n'est pas un géo, un gentil organisateur. Et la bande qu'il a emmenée avec lui à Porto Rico n'est pas au Club Med. Le Golden Lion, pour sa première participation à la compétition la plus prestigieuse de la Caraïbe pour les clubs amateurs, y a fait une entrée fracassante, jamais vue. Au point d'humilier les demi-finalistes de l'an dernier, le Deportivo Nacional d'Aruba, 8-0. Un quintuplé, 5 buts, de l'animateur en chef de l'équipe, Kevin Parsemin, et des buts de Thierry Catherine, Jordi Boriel et Alvin Lamazine. Et ces images, tournées hier par Christian Chenelong, le vice-président, à la piscine de l'hôtel, marquaient une séquence de récupération bien méritée après ce festival. Car dès ce soir, on remet cela pour une qualification en demi-finale, mais pas contre n'importe qui. Les finalistes de l'an dernier, les Surinamiens de l'Inter Moengo Tapoe. Après leur cinglante victoire de dimanche, les goldenistes n'ont pas célébré. C'est dire s'ils sont concentrés sur leur objectif, aller loin, très loin. Et cela passe par les entraînements quotidiens, comme celui d'hier. Ça donne quoi le blessure pied, ben, là ça commence à aller mieux. Là, ouais, ça allait mieux. Tu seras en paix pour demain? Non, je pense pas. Je pense pas, mais je pense que d'ici jeudi, comme je sais qu'on va se qualifier, d'ici jeudi, je peux être avec eux.
Allez, bon entraînement. Rendez-vous donc dès ce soir, 19h30, pour l'avant-match sur Golden Lion TV avec la causerie de Christian Malo, la composition du 11 goldeniste et les dernières infos en direct du vestiaire. Coup d'envoi à 20h. Attention à De La Salle. Mais tout de suite, pour mieux comprendre ce début en fanfare dans la compétition, revenons en arrière pour comprendre en immersion, depuis leur départ de Fort-de-France jeudi dernier, comment les Joséphins se sont préparés à disputer l'épreuve caribéenne. As a reminder, the 2022 Caribbean Club Shield will be played from April 15th to the 24th, with the group stage taking place from the 15th to the 19th, the semi-finals April 22nd, and the third place and final match on April 24th. Ils ont qu'à parler anglais, alors. Eh ben, on est obligé. Non, mais vous qu'à parler couramment, mais les autres. Ah, moi, oui. Vous, on savez ça. Mais avant de décoller de la Martinique jeudi soir, c'est en bon français que le président de Golden Lion, Laurent Saint-Honoré, s'est exprimé. N'oubliez pas que notre force, c'est le collectif. Okay? Donc, même si individuellement vous êtes des joueurs de valeur, une compétition comme ça, c'est une compétition internationale. Ça ne va pas être facile. De toute façon, vous avez déjà, c'est très bien, hein? Vous avez vu des images, vous avez déjà vu en face que ce sont des gens qui sont très physiques. Donc, c'est à nous d'être très forts mentalement, en équipe, collectivement, techniquement. Vous savez faire. Okay? Quand on part en voyage en groupe comme ça, il y a l'esprit de groupe, on est content. On ne part pas en vacances, même si on va partout. On ne part pas en vacances. Il y a de fausses idées au-dessus sur le fait que chaque fois qu'on fait un voyage, il faut qu'on fasse du shopping. Tout ce qu'il y a pour tout le coup, il y a en entier. Okay? Donc je ne vous dis pas qu'il ne faut pas ramener un petit quelque chose pour votre famille. Mais l'intérêt général, c'est de bien vous préparer pour exploser le premier match et vous qualifier au deuxième match. C'est ça que vous devez avoir en tête. Cette compétition, il faut la gagner. Ok? S'envol direct Fort-de-France-Saint-Rouen, c'est par Santo Domingo que le groupe a dû transiter. Et dès l'arrivée à Porto Rico vendredi en fin de matinée, le groupe goldeniste a pu débuter sa préparation sur place et se livrer à ses premiers entraînements dans une bonne ambiance dans les vestiaires. Puis ambiance studieuse sur le terrain d'entraînement. Ouais. D'accord. C'est pas la CONCACAF. C'est la FIFA. C'est pas l'index, là, c'est pas l'index.
La grande entrée du Golden Lion dans la compétition face au Deportivo Nacional d'Aruba, c'est donc pour tout à l'heure à 17h30. Mais auparavant, les seules contrariétés ont été les tests antigéniques récurrents. You watch Golden Lion TV, the official channel of the Golden Lion, the champion club of Martinique 2021. The Golden Lion Club represents Martinique in the Caribbean Amateur Champions League. Ah ouais, là, c'est le... Ah là, il prend, là. Il a cherché quoi. Le positif. Ah, mais c'est l'instant. Je ne sais pas tout ça, gars. En immersion depuis Porto Rico avec Christian du Golden Lion. Bonsoir. Bonsoir Richard. On se retrouve où là? On se retrouve dans la salle à manger, j'imagine. Voilà, c'est une salle qui est la salle à manger qui nous sert de tout, aussi bien pour les massages, pour tout. C'est-à-dire que c'est une salle qui nous est réservée pour toutes les activités, que ce soit. Massage, repas, tous les repas et nos réunions se passent dans cette salle-là. Et là, ils ont fini le dîner, là, ils sont en train de s'amuser un petit peu à un jeu. C'est ça. C'est ça, on voit que le groupe vit bien, en tout cas là. Il y a une bonne ambiance. Oui, voilà, c'est pourquoi justement je ne t'entends pas parce qu'il y a une très bonne ambiance. Alors justement, ils sont chauds là, ils ont bien dîné. Et là, avant d'aller au lit pour le match de demain, ils sont en train de faire un petit jeu. Tu peux voir un petit jeu avec une bouteille, je dirais des sommes quand même. Et là, ils sont en train de jouer. Voilà, l'ambiance est très bonne. Alors, est-ce qu'on peut se rapprocher de la table et les faire parler un petit peu là? D'accord. You watch Golden Lion TV, the official channel of the Golden Lion, the champion club of Martinique 2021. Voilà. Salut. Alors, comment ça se passe la veille du premier match dans la compétition, le premier match de Lyon en Ligue des Champions? Ben, on prépare au mieux cette compétition. On a eu deux entraînements hier et aujourd'hui pour se mettre un petit peu en jambe, prendre la mesure des tirs synthétiques qu'on n'a pas l'habitude. Donc, on appréhende sans pression, mais avec beaucoup de détermination. Est-ce qu'on se rend compte tout de suite que là, on a franchi un niveau et qu'on se retrouve vraiment dans la compétition la plus importante de la Caraïbe? Ben, avec les matchs d'hier qu'on a pu voir, on a vu qu'il y avait des équipes avec un niveau très intéressant. Donc, on se prépare pour être au niveau de la compétition. Et je pense qu'il y aura plusieurs échelons par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire à gagner pour être le plus compétitif possible. Et les conditions dans lesquelles ça se passe, c'est quand même intéressant. La seule chose, tu l'as souligné, c'est que c'est du synthétique. C'est pas la même surface que chez nous. Voilà, tout à fait. C'est du synthétique, mais on n'a pas l'habitude. On est plus sur de l'herbe en Martinique. Donc, il faudra s'adapter à ce synthétique-là, au ballon, la vitesse du ballon, les rebonds. Normalement, techniquement, ça devrait être à notre avantage, puisqu'on a des joueurs assez techniques qui aiment bien manipuler le ballon. C'est un avantage. Après, il faudra prendre la mesure par rapport aux autres adversaires qui, eux, ont l'habitude de jouer sur cette surface. T'as raison, on entend beaucoup de bruit derrière toi. C'est-à-dire que le groupe vit très bien. Oui, le groupe vit très bien. On essaie de passer des moments ensemble. Ça fait partie de la cohésion de groupe. Surtout dans ce genre de compétition-là, la cohésion elle est très importante. Voilà, nous sommes en immersion. Retour de Julien Michelet, le défenseur central. Très bien. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça se passe à la veille d'un match aussi important comme ça? On n'a vraiment pas l'impression que vous avez justement la pression. Vous êtes détendu ce soir? Oui, je pense que plus le match approche, plus on aura la pression. Mais ce soir, il faut qu'on apprenne tranquillement. Et je pense que la pression va venir à partir de demain. Et voilà. Vous êtes rendu compte tout de suite que là, à la Ligue des Champions de la Caraïbe amateur, on est monté en gamme, en niveau? Oui, tout à fait. On doit augmenter notre niveau de jeu. Pour justement faire face aux équipes, aux champions de la Caraïbe. C'est une expérience que tu as déjà vécue ou c'est la première fois? C'est la première fois, j'avoue que j'ai un peu la boule au ventre.
Mais je pense qu'avec l'équipe qu'on a, les anciens, les expérimentés, je pense que ça le fera. Bah vous avez vu hein, les deux équipes à la télé. On vous a préparé un montage en séance vidéo. Justement, faire les séances vidéo comme ça, la préparation qui est faite là-bas, le sérieux qui est mis, est-ce que ça vous donne l'impression que vous êtes quelque part devenu semi-professionnel ou même professionnel? Oui, avec les moyens qu'on dispose, on est quasiment pro pour nous. Donc, c'est à nous de faire le taf après. Avec la séance vidéo, avec le coaching, c'est à nous de faire la suite. Ouais, donc ça veut dire que bah, pour vous, c'est une super expérience. Ah oui, c'est une très belle expérience. On est comme des pros et on fait comme des pros maintenant. C'est génial pour un footballeur amateur. Est-ce que vous pouvez parler anglais en bas là? Little bit, d'accord. Espagnol? Espagnol, non? Non, du tout. Du tout, d'accord. Moi je ne parle pas espagnol. Vous essayez de pratiquer quand même, parce que moi, le mien, mon anglais est très mauvais. Ouais, on essaie plus l'anglais que l'espagnol. Après, on a 2-3 personnes qui savent parler l'espagnol. Donc, on se penche sur eux, mais sinon, on utilise l'anglais assez couramment chez nous. Ok, et eh ben écoutez, bon match pour demain, bien sûr. Okay, je te remercie, bonne soirée. C'est moi, bonne soirée à toi. Ok, Richard, je reprends la main. Alors, Christian Chenelon, en termes d'organisation, la Ligue des Champions de la Caraïbe, ça se passe comment? L'organisation, on s'adapte. C'est vrai qu'il y a des petits à-coups comme. Des petits soucis sur l'aéroport à Saint-Domingue pour arriver à Puerto Rico. Il fallait des tests et ces tests-là n'étaient pas prévus. Donc on a dû prendre une boîte de combat pour pouvoir trouver les fonds pour pouvoir payer ces tests pour pouvoir arriver à Puerto Rico. Et voilà, donc ça fait partie des aléas. On a ramené notre kiné qui, effectivement, avec ses appareils pour la récupération, tout ça. Aujourd'hui, on a dû batailler pour trouver un transformateur. Je crois qu'on a eu beaucoup de chance. On est tombé sur plusieurs entreprises qui nous ont orientés, jusqu'à une entreprise qui ont décidé de nous passer un transformateur gratuitement. Ils nous ont demandé juste une caution et à la fin, on doit leur amener un appareil quand même assez costaud qui puisse pour faire le nécessaire pour que les kinés puissent... Ouais, parce qu'à Porto Rico, costauds. C'est du 110, il faut rappeler. c'est pas du 220. Ouais, salut Kevin. Ah, salut Kevin. Ça va? Alors, à la veille du match, on est très détendu là. Oui, il faut savoir relâcher la pression. On fait ça ensemble. Donc, ça va, tranquille. Justement, vous préparez bien évidemment à rentrer sur la pelouse. Qu'est-ce qui va faire que ça sera compliqué? Bien sûr, l'opposition, bien évidemment, la surface. Mais vous avez vraiment des atouts réels à faire valoir dans cette compétition. Surtout qu'on ne vous attend pas. Tout le monde parle à Porto Rico des nouveaux de la Ligue des Champions là. Nos qualités, nous, on les connaît, c'est le plus important. Je ne pense pas que ce soit la première fois que les équipes martiniquaises soient sous-estimées, mais pour l'instant, elles s'en sont bien tirées. Donc, nous, on est conscients de nos qualités et on va commencer par montrer ça dès demain. Voilà, avec une préparation optimale, on va dire. On a vraiment l'impression que là, quand on est dans une telle compétition, on se met au niveau de professionnel, quoi. Clairement. Oui, de toutes les façons, le niveau le demande. Et il y a des équipes qui sont déjà habituées à cette compétition et qui savent que pour aller au bout, il faut vraiment arriver à un certain niveau. Et le niveau, c'est le niveau professionnel. Donc, on sait qu'il faut qu'on donne le maximum, qu'on soit au niveau. Très bien. Merci à tous.